Bien. Chers amis, chers amis. Bien. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci d'intervenir aujourd'hui au milieu, figurez-vous, de cette université d'hiver du barreau de Paris. Nous étions en pleine table ronde sur le bonheur. Je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais en tout cas, c'est un signe. Et c'est vous, par un curieux renversement des rôles, qui aujourd'hui allez plaider, tandis que nous allons vous écouter. Vous connaissez le barreau de Paris, vous savez que nous sommes libres et indépendants, vous savez que nous ne sommes sous la tutelle d'aucun ministère, ni Bercy, bien évidemment, mais ni la place Vendôme non plus. Vous êtes très attendu. Je veux rappeler que vous nous connaissez pour avoir travaillé dans la commission d'Arroy pendant une année environ et que peu de professionnels connaissent aussi bien le barreau, ses grands chiffres, ses perspectives, ses problématiques que vous, à travers les travaux de la commission d'Arroy. Vous faites partie, comme nous, Laurent et moi, et notre conseil de l'ordre, d'une génération. Je dirais, nous sommes la génération des modernes. Et de même que vous, au gouvernement, nous, avec les avocats, nous pensons qu'il y a des choses nécessairement à faire évoluer maintenant. Et puis, vous connaissez aussi, à travers votre haute culture, nos appétences pour la grande littérature, le verbe, les mots, ça vous rapproche un peu, cela sans doute, peut-être n'y avez-vous jamais pensé, de Christiane Taubira, qui aime les vers, et cela rejoint vos études que vous avez faites pas très loin d'ici. Alors, monsieur le ministre, les mots, le bonheur, l'université d'hiver, tout ça, ça va vers quoi? Vers 5 questions que nous allons vous poser et qui, si vous le voulez bien, pourront orienter et rythmer votre plaidoirie. Ces questions, c'est monsieur le bâtonnier Laurent Martinet qui vous les pose maintenant. Alors, monsieur le ministre, merci beaucoup de votre présence. Elle est importante, elle est précieuse pour nous. J'ai le privilège, par délégation du bâtonnier de Paris, de siéger au Conseil national des barreaux, donc qui représente la profession. Vous savez, le Conseil national des barreaux a une position différente, une lecture différente de votre projet. Notre Conseil de l'Ordre, quant à lui, s'est exprimé dans le cadre d'un vote favorable, mais d'une très grande vigilance, se positionnant dans le cadre d'un dialogue, d'un échange, d'une lecture visant à réfléchir sur les orientations que vous nous proposerez, avec, et je le répète, oui, une lecture, mais une vigilance extrêmement attentive sur des points, sur ce qui constitue l'ADN de notre profession. Alors aujourd'hui, se dessinent 5 grandes questions qui interpellent la profession, qui interpellent notre barreau, sur lesquelles il est très important que vous nous apportiez des réponses. La première, d'abord sur l'avocat en entreprise. Comme vous le savez, nous nous sommes battus et nous continuerons à défendre le fait que, selon nous, l'avocat en entreprise ne doit pas pouvoir plaider. Il ne doit pas pouvoir plaider à la fois dans le monopole et en dehors du monopole, en référé, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes. Donc sur ce point, votre lecture nous est précieuse. Il ne doit pas pouvoir développer de clientèle personnelle. Nous avons échangé à de multiples reprises. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que reprend le texte que vous nous proposez.
Deuxième point très important sur lequel on a beaucoup échangé, vous savez que sur cela j'ai une lecture différente de la vôtre, concernant l'ouverture à des capitaux extérieurs de nos cabinets. Voilà, je considère que nous considérons que cette ouverture à des capitaux extérieurs peut être envisagée eu égard concernant des professionnels du droit. En revanche, des personnes extérieures à notre activité, cela nous semble dangereux. J'avais même utilisé ce terme de folie sur les hommes du chiffre, considérant que c'était pour nous quelque chose d'extrêmement dangereux. Je sais que vous ne partagez pas cette même lecture, mais je pense que c'est bien que vous apportiez votre contribution sur cela. Un point qui a été évoqué, mais je pense qu'il a été supprimé, concernant le défenseur syndical. J'ai cru comprendre que dans les textes aujourd'hui, il n'y avait plus de caractère obligatoire du défenseur syndical. Un point sur lequel je me félicite, dans le cadre de, je dirais, du lobbying que le barreau de Paris mène à juste titre concernant l'action de groupe qui a été mise en place, qui concerne aujourd'hui les problématiques de consommation. Les avocats étaient les grands perdants de l'action de groupe puisqu'ils avaient été conduits au bénéfice des associations de consommateurs. Nous avions œuvré pour que cela revienne dans notre périmètre d'activité. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, tous les fonds qui concerneraient les actions de groupe transiteraient par la CARPA. Donc c'est une première étape qui nous permet, nous semble-t-il, de nous réapproprier les actions de groupe. Et puis, dernier point, un point qui interpelle énormément, alors là, je reprends ma casquette de représentant du barreau de Paris au sein du Conseil national des barreaux, sur l'exercice à titre principal ou accessoire, notamment par les experts comptables, de cette activité juridique. Nous considérons qu'elle doit être cantonnée à un exercice accessoire et surtout pas principal. Sur ce point, je pense que votre lecture nous est très importante. C'est ce qui véhicule l'ADN de notre profession sur le secret, la confidentialité. Et donc nous considérons que tous ces grands paramètres qui structurent notre profession ne se retrouvent pas dans d'autres professionnels. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants sur cela. Alors comme le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr l'expliquait, votre intervention s'insère dans notre première université d'hiver qui a trois thématiques avec une thématique transversale, c'est conquérir, avec trois thèmes, conquérir l'opinion, conquérir le futur, conquérir le bonheur. Alors sur ça, je vous laisse la parole, je vous laisse nous conquérir, nous convaincre, nous rassurer peut-être aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonjour à toutes et tous, chers maîtres, monsieur le bâtonnier. Je suis très heureux d'être ici, en effet, aujourd'hui, non pas seulement parce que vous avez eu le courage, vous le rappeliez tout à l'heure, ou l'indulgence à mon égard de soutenir un projet qui, je dirais, n'a pas subi de surinscription sur sa liste de soutien jusqu'alors pour les professions concernées. Et je vous en remercie parce que je pense qu'il vous a fallu aussi un certain courage pour le conduire. Donc je suis venu ici pour expliquer, comme je le fais, avec l'ensemble des professions qui sont concernées et qui veulent s'inscrire dans ce dialogue, parce que je pense que cet esprit de dialogue est nécessaire, et il est la responsabilité aussi des politiques. On ne peut pas proposer des lois, on ne peut pas proposer de décider sans avoir cet échange, cette pédagogie, sans avoir aussi le travail de concertation que nous avons eu au préalable, et sans avoir, je dirais, tout ce travail de préparation qui a précédé ces travaux. Nous sommes dans un drôle de pays, finalement, aujourd'hui. Et je dirais qu'une raison supplémentaire pour moi de venir ce jour, c'était le thème de vos universités, la conquête. Parce que conquérir, ça fait toujours un peu peur. Au début, il y a un mouvement d'enthousiasme. Et puis, on sait ce qu'on perd. On sait ce qu'on laisse. Mais on a toujours du mal à se figurer ce vers quoi l'on va. Et la conquête, ça ne peut pas être une série de garanties. La conquête, ça ne peut par définition pas être le monde d'aujourd'hui, encore moins celui d'hier. C'est un risque qu'on prend, souvent mesuré, il le faut, parfois fou, mais parce qu'on croit que quelque chose peut advenir, qui sera meilleur. Je ne veux pas ici citer des vers, et je vous ferai grâce des citations classiques des grands avocats, mais en vous écoutant tout à l'heure, je me remémorais justement, pensant à mes chères études, les textes du fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Non pas que je veuille ici vous en livrer un extrait, mais il y a constamment filé cette
métaphore du statut d'Ulysse et de Pénélope. Et au final, c'est d'ailleurs ce que Barthes dit, il y a deux catégories. Il y a les Pénélopes et les Ulysses. Et les Pénélopes, qui ont beaucoup de qualités, et sans lesquelles d'ailleurs l'écriture même du texte ne se ferait pas, restent et préfèrent le quotidien. Et pour écrire l'Odyssée, il faut des gens assez fous pour prendre la mer, partir loin pour revenir, mais prendre des risques. Et l'esprit de conquête, il n'existe pas sans précisément une forme d'optimisme, une volonté chevillée au corps qui est celle que quelque chose de mieux doit advenir. Et je fais cette longue digression qui est en résonance avec votre thème du jour, parce que je ne sais pas si on peut conquérir l'opinion, je ne sais pas si on conquiert le futur, je ne sais même pas si on conquiert le bonheur, mais on peut en tout cas conquérir son présent, conquérir la capacité à être soi en prenant ses risques. Et c'est l'esprit du projet de loi que je porte. C'est un projet de loi d'émancipation. C'est un projet de loi qui porte en lui le fait que, sans tout détruire, et je vais y revenir pour ce qui concerne vos professions, ce qui interdit n'est pas forcément ce qui est bon. Ce qui surprotège n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Et que aider les Françaises et les Français à prendre des risques, à aller vers d'autres horizons, leur donner le sentiment, la conviction, et leur montrer que c'est possible de faire autrement, d'aller à la conquête du monde, parce que le monde est en train de changer, et que la promesse que nous pouvons faire aux Français, ça n'est pas de revenir au monde des années 60, et pour citer le même Roland Barthes, nous ne reviendrons pas à la déesse des mythologies, ça n'est pas vrai. Celles et ceux qui vendent cela aux Français ont tort. Et je le sais bien, dans une société qui a peur, qui a tendance à se recroqueviller, où les démagogies, finalement, sont celles qui consistent à dire « ne changeons pas ce qui existe depuis les ordonnances royales ou ventoses », et je ne veux pas être polémique ici, parfois depuis les lois de 1943, ce serait trop risqué. Ça n'est pas vrai. Le monde a changé. Nous évoluons dans un monde nouveau. Et ne pas changer parfois nos lois, mais c'est s'interdire de faire autrement. Alors parfois de prendre des risques, mais aussi de gagner, de conquérir. Les autres continents sont en train de déplacer les forces du monde. Nous ne pouvons pas raisonner comme si la France restait le centre de l'univers dans un lieu fermé où nous aurions peur de tout et penserions que nous pouvons nous recroqueviller. Si nous ne nous réveillons pas, dans 10 ans, le monde sera centré au Pacifique et nous serons une périphérie lointaine, un confetti, qui pourra toujours s'occuper de ses problèmes domestiques, de ses guerres intestines, de ses petits sujets. On passe beaucoup de temps sur nos petits sujets. Mais ce que je veux faire pour la société, pour l'économie française et pour vous aussi, c'est que nous retrouvions collectivement cet esprit de conquête, ce goût du risque, cette possibilité d'aller plus loin. Alors les réformes qui sont portées pour les professions juridiques, c'est précisément avec cet esprit que nous les avons écrites et préparées. Elles ne reviennent en rien sur la sécurité juridique. Alors je ne sais pas si j'ai déjà, avant de quitter le port, renoncer à l'esprit de conquête pour faire uniquement du cabotage. Mais je sais qu'il y avait parmi vous des gens plus ambitieux que moi qui auraient souhaité que nous revenions sur l'exclusivité de certains actes. L'acte authentique, pour ne citer que lui. Nous ne l'avons pas fait, pas par manque de courage, mais parce que je crois que là, c'eût été impossible. Quand je vois déjà les résistances pour des réformes que je considère comme modérées pour vos amis notaires, je me dis que revenir sur l'acte authentique, c'était la condition du blocage complet. Et donc, il y a un mouvement qui se fait, il a commencé avec l'acte d'avocat, mais nous n'avons pas été jusque-là. Nous ne sommes pas revenus sur ce qui fonde, pour beaucoup, le droit canon et la sécurité juridique de notre système. Nous ne sommes pas revenus dessus. Et vous l'avez dit, vous n'êtes pas à proprement parler une profession réglementée, vous êtes ouvert, vous êtes à cet égard un exemple qui montre qu'on peut défendre le droit sans être forcément sous la tutelle de qui que ce soit. Et c'est l'idée que je me fais de la République dans laquelle je vis. Alors, il y a plusieurs réformes qui concernent votre profession. Et je vais revenir point par point à celles que vous indiquez. La plus controversée de mon projet, vous ne l'avez pas parlé, elle concerne 3 autres professions réglementées, c'est celle de la liberté d'installation, elle sera réglementée,
elle sera progressive, elle est, je pense, soutenable, mais elle consiste dans un état de droit méritocratique à permettre à une Française ou un Français qui a fait les études, qui a les qualifications, qui a l'honorabilité qui convient pour être un grand professionnel, de pouvoir entreprendre. Je croyais que ça ne pourrait choquer personne, mais apparemment, l'idée qu'on puisse créer une entreprise dans un contexte régulé et finalement ne pas être emprisonné dans un droit de présentation dont je dois vous confier qu'il n'est pas l'idée que je me fais là aussi de ma République, je ne pensais pas que ça soulèverait autant de scandales. Alors, pour ce qui concerne votre profession, les avocats en entreprise, d'abord. Je sais que c'est un sujet qui soulève, là aussi, beaucoup de dissensus au sein de votre profession, et je l'entends. J'ai souhaité, et nous avons eu un long débat avec Christiane Taubira, elle viendra vous voir cet après-midi. Je pense qu'elle a peut-être parfois plus de réserves que moi sur ce sujet, et je la comprends. Les deux voix s'entendent et sont légitimes. Il y a d'un côté la voix que les entreprises portent, que vous avez portée, qui consiste à dire qu'il faut donner un débouché aux jeunes avocats qui veulent rentrer dans l'entreprise. Il faut permettre aux avocats de rentrer dans l'entreprise et dans cette partie du monde économique. Et il faut donner en même temps aux entreprises cette possibilité d'avoir en leur sein des professionnels qui ont accès à ce privilège du secret, qui parfois est une faiblesse quand on se compare à l'Allemagne ou à l'Espagne. Et de l'autre côté, j'entends aussi, je dois le dire, la sensibilité de certains avocats qui considèrent que, en quelque sorte, dans votre ADN, il y a un principe d'indépendance absolue et que l'idée d'être soumis à un employeur est un problème. Alors, je pense que les débats parlementaires nous permettront sans doute de trouver le bon curseur, parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à trouver les limites. Je pense qu'on ne va pas mettre des avocats d'entreprise partout et que ça n'aurait pas de sens. Mais je pense en tout cas que c'est un statut, un principe qui peut rendre plus fort nos entreprises et vous donner d'autres perspectives, si on l'encadre proprement. Et donc, je tiens ici à être parfaitement clair, l'avocat en entreprise n'aura pas de clientèle propre et n'aura pas le droit de plaider. Il sera strictement au service de l'entreprise. L'avocat en entreprise devra avoir, là aussi, des critères de qualification. Soit le CAPA, soit une valorisation de l'expérience. Et je pense que ce qui existe aujourd'hui pour les juristes d'entreprise, les 8 ans, c'est un bon critère. Voilà donc la réforme qui sera portée au débat parlementaire. Les parlementaires sont attachés aux avocats et donc ce sera un débat riche. Vous dites, monsieur le ministre, qu'il ne pourra pas plaider. Il ne pourra pas plaider dans le cadre du monopole, mais est-ce qu'il pourrait plaider hors du monopole, non, c'est-à-dire devant les prud'hommes, devant le tribunal de commerce, en référé? Aujourd'hui, dans le projet qui est porté, il ne plaidera pas du tout quand il est avocat en entreprise. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et pas d'ambiguïté aussi sur le sujet de la clientèle. Sur l'ouverture du capital, nous aurons peut-être un dissensus. Mais là, je vous prendrai à vos propres ambitions. Parce que c'est intéressant quand on regarde l'ouverture du capital. D'abord, il y a eu beaucoup de fausses idées ou de fausses rumeurs sur le projet que je porte. Jamais l'ouverture du capital à des tiers, en particulier financiers, n'a été une proposition. Et donc, c'est l'ouverture entre professionnels qui est portée par ce projet. Et là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté, la moindre rumeur. Après, il y a la question de savoir si on ouvre aux professionnels du droit ou du droit et du chiffre. Et dans le projet qui a été donc validé par le Conseil des ministres et que nous portons, c'est l'ouverture aux professionnels du droit et du chiffre qui est sur la table. Alors là-dessus, je dois constater, après l'expérience anthropologique qui est la mienne depuis ces derniers mois, qu'il y a différentes catégories, il y a une gradation. Vous avez certains de vos collègues des professions juridiques qui ne veulent aucune ouverture. Et par exemple, quand on parle aux huissiers ou aux notaires de l'ouverture, même avec vous, c'est affreux. Ils détestent cette idée. Et j'ai constaté que vous, quand on vous propose de vous marier, l'extension au sein des professions du droit vous va, parce que je pense que vous êtes rassuré sur votre capacité entrepreneuriale quand vous vous comparez aux autres.
Et je sens quand même une petite inquiétude quand vous vous comparez aux experts comptables. Là, vous êtes plus pusillanime. Donc là, vous dites, cela, non, pas moins. Alors, d'abord, dans le projet qui est porté, on propose de limiter les droits de vote à 33% si des fusions se feraient. Ensuite, je crois comprendre que cette réticence, elle vient des expériences des grands cabinets anglo-saxons qui avaient marié les deux métiers et où finalement une culture a dévoré l'autre. Donc, là-dessus, il faut aussi que le débat se fasse. Moi, je dois vous dire, je pense que si c'est bien fait, si on met les bons points de régulation, les bonnes limitations, en gardant la déontologie pour chacune de ces professions forte et les remparts qu'il faut, c'est une opportunité pour les plus jeunes qui veulent s'organiser, offrir un meilleur service et aller conquérir de nouveaux horizons. Donc je crois que c'est un bon projet. Après, j'entends vos réticences. Le débat parlementaire permettra d'y répondre. Et là aussi, moi, je suis toujours preneur de retours d'expérience. Mais quand je regarde les pays où cela s'est fait, quand c'est bien fait, quand il y a ces verrous en termes de droit de vote, je pense que c'est quand même une opportunité qui vous est offerte et qui permet d'aller plus loin. Et ce qui me permet tout de suite de répondre à votre question sur les experts comptables, il ne s'agit pas là qu'une profession vienne en dévorer une autre. Et donc, à aucun moment, il ne sera question, il ne peut être question qu'à titre principal, les experts comptables viennent sur votre territoire et qu'à aucun moment il ne puisse y avoir de démarchage sur votre territoire des experts comptables. Il faut être parfaitement clair sur ce sujet. Maintenant, que des professionnels du droit et du chiffre puissent s'organiser, offrir quelque chose d'innovant, qui ne soit justement pas simplement dans la main de grands cabinets anglo-saxons, je pense que ça doit être une des forces, une des innovations de l'offre française. Pour ce qui est de vos craintes suite à la loi relative à la consommation, je crois que, vous l'avez dit, il faut laisser cette possibilité que les actions de groupe puissent venir abonder les CARPA, et là-dessus, le texte que je porte n'a pas de disposition sur ce sujet, et je pense qu'il ne faut pas avoir de sectarisme en ce domaine. Nous continuerons le travail avec les associations de consommateurs sur ce sujet, pour affiner les choses, et je suis preneur des propositions de la profession, parce qu'il faut à la fois être efficace, défendre les intérêts des consommateurs et assurer la sécurité juridique et le professionnalisme qui va avec ces sujets. Et donc, l'idée que, précisément, la CARPA puisse être abondée dans ce cadre ne doit pas être un tabou. Enfin, vous avez soulevé le sujet du défenseur syndical. Ce que nous voulons faire, dans le cadre de la réforme des prud'hommes, et je ferai ce détour pour expliquer l'esprit, c'est pouvoir faire mieux fonctionner ce qui était une belle idée, ce qui est souvent le cas dans notre pays, mais qui a créé aujourd'hui un système profondément dysfonctionnel. L'idée, c'était qu'il puisse y avoir une structure paritaire qui aide les différents protagonistes à s'entendre et qui permette de purger les conflits, de limiter précisément les litiges et le recours au juge. Or, et le rapport Lacabarras l'a bien montré, quand on regarde la réalité de la justice prud'homale, c'est un échec de la conciliation, elle réussit dans 6% des cas, c'est une justice qui est longue, 27 mois en moyenne, 4 ans à Paris, et c'est une justice dont le taux de réformation, quand on en appelle, est 2 à 3 fois supérieur aux autres affaires. Donc, il faut être simple dans la vie, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ça n'est pas bon pour les entreprises, et en particulier les plus petits chefs d'entreprise, parce que très souvent, et vous le savez bien, quand ils ont été devant les prud'hommes, ils ne réembauchent pas. C'est un tel traumatisme que ça gèle l'activité, l'esprit d'entreprise. Et c'est un problème pour les salariés les plus fragiles, qui attendent, qui sont incertains, et dans lesquels souvent, finalement, on les amène au loto de la justice, en leur faisant croire des choses invraisemblables. Et donc, nous voulons vraiment avoir un vrai travail de modernisation, de plus grande efficacité de ce dispositif. Et l'idée est de pouvoir mieux formaliser la phase de conciliation. Et dans cette phase de conciliation, c'est vrai que nous avons voulu qu'il y ait un défenseur syndical. Et je pense que c'est une idée importante. Ce n'est pas pour vous exclure de cette phase, mais c'est parce que je pense que c'est important qu'il y ait une culture qui soit non contentieuse et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté aussi là-dessus,
pour qu'il y ait un intérêt partagé de concilier. Et je crois que c'est la philosophie de cette structure et de cette démarche. Par contre, et là aussi, nous avons eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de travaux. Pour ce qui est de l'appel, je crois qu'il ne faut pas détériorer la qualité du droit. Et je crois que si en appel, on revenait sur la présence de l'avocat et le monopole de l'avocat, nous ferions sans doute moins bien qu'aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut aussi être pragmatique sur ce sujet. Oui, au défenseur syndical, et je l'assume au moment de la conciliation, et en première instance, pas pour l'appel, il faut que l'avocat reste. Donc voilà de la manière, si je puis dire, la plus précise possible à ce stade, qui est celui finalement de la présentation du projet de loi, l'esprit et les mesures techniques que nous voulons porter qui concernent votre profession. Juste un mot pour finir. Je crois qu'au-delà des symboles, parce que je ne ferai croire à personne que la réforme des avocats, des notaires, des huissiers va transformer l'économie française, créer 2 points de croissance et révolutionner le produit intérieur brut de notre économie. C'est totalement faux. Par contre, l'esprit de la réforme qui est porté, c'est partout où c'est possible de déverrouiller, de recréer des opportunités, de libérer de l'activité. Et c'est pour ça que je me bats sur chacun de ces petits domaines. Parce que si vous commencez à en refermer un, celui d'à côté, moi aussi dans ces cas-là. Et l'esprit français, le génie français, a beaucoup de qualités, mais il a en quelque sorte cette caractéristique qui consiste à dire chaque matin, la réforme, la réforme, la réforme, mais pas chez moi. Il en est des économies comme de la réforme. C'est une idée formidable à laquelle tout le monde adhère, à la condition expresse qu'elle ne nous touche pas. Et donc, la philosophie de ce projet de loi, c'est qu'on puisse réformer de manière utile, pragmatique, intelligente, tous les endroits possibles. Sans doute, la liste n'est-elle pas exclusive, et j'ai invité les parlementaires à la compléter, plutôt que de se battre et de défendre chaque corporatisme. Le risque aujourd'hui de notre société, de notre économie, au-delà de ça, de notre civilisation, c'est que les intérêts acquis, les corporatismes, nous dévorent, nous paralysent, nous anesthésient. C'est ça le principal risque. C'est un risque de langueur, d'immobilisme. Parce que par crainte de demain, par manque d'esprit de conquête, chacune et chacun se disent « on est peut-être mieux aujourd'hui comme ça ». Et rentrant dans cette schizophrénie mortifère qui circule dans notre société depuis plusieurs années, qui consiste précisément pour soi à ne vouloir plus rien changer et chaque jour à plaider des choses totalement inacceptables pour les autres. Donc il ne faudrait rien changer pour chacun d'entre nous, mais revenir sur tous les fondamentaux du droit social, mais revenir sur tous les fondamentaux parfois de la République, ou refermer nos frontières pour d'autres et nier la mondialisation. Soyons pragmatiques, soyons conquérants. Pour vos professions, ce que je veux, ce n'est pas que l'économie dévore le droit. À aucun moment, je veux que la sécurité juridique et ce qui vous caractérise puisse demeurer. Mais je veux que l'esprit d'entreprise, que l'esprit de conquête anime les professions du droit. Et je veux que le droit puisse rentrer dans l'économie plus facilement, comme vous l'avez compris. Parce que c'est avec cet esprit de conquête, dans chacun des endroits de la société et de notre économie, que nous reprendrons possession de notre propre destinée, que nous retrouverons le cours de notre nation, parce que la France vaut mieux que le spectacle qu'elle donne depuis plusieurs années. La France vaut mieux que les petits débats dans lesquels elle s'enferre. La France, c'est d'abord l'esprit de conquête dont vous parlez ces jours-ci et que je voulais modestement porter aujourd'hui avec vous.
Voilà, voilà. Alors, on va tout de suite passer à la suite de notre programme parce que le temps file à vitesse grand V. Pas facile du tout de reprendre la main juste après l'allocution du ministre. Mais on a un esprit de conquête. Donc, on va y aller quand même. Alors, si on peut essayer de rejoindre sa place pour reprendre le cours du programme. Merci. Voilà, voilà. Alors, vous voulez me dire quelque chose? Non, c'est bon. Bien, alors on va continuer. Donc, hier vous avez été à la conquête du futur, à la conquête de l'opinion. Aujourd'hui, on vise les étoiles, on va à la conquête du bonheur. Et donc j'ai la chance de pouvoir animer cette première table ronde de la matinée. Moi, je m'appelle Frédéric Bedos, je suis journaliste et je suis ravie d'être avec vous. Et j'ai donc tout un panel d'intervenants plus passionnants les uns que les autres qui viennent d'univers variés, divers. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir explorer ce thème de la conquête du bonheur de façon très, très riche. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet et je vais commencer avec vous, Père Antoine de Romanet. Vous êtes juste à côté de moi et comme ça, je vais pouvoir donner la parole à chacun les uns après les autres. Père Antoine de Romanet, vous êtes docteur S-Sciences économiques de l'Institut d'études politiques de Paris, après avoir été longuement curé de la paroisse Saint-Louis de France à Washington DC, aux USA. Et vous êtes actuellement curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil, co-directeur du département Société Liberté Paix au sein du pôle de recherche du Collège des Bernardins et enseignant en morale sociale au séminaire Saint-Sulpice. Alors, avec vous, cher père, eh bien, on va pouvoir directement entrer dans le vif du sujet. Pour vous, c'est quoi le bonheur dans la société d'aujourd'hui, une société qui est assez complexe? Alors, on peut dire que le bonheur, c'est vraiment le désir le plus largement partagé. Tous les hommes recherchent d'être heureux, écrit Pascal, pour décrire cette quête universelle du bonheur. Et au fond, quel est en homme le motif, la source d'où jaillit ce désir d'être heureux? Alors Voltaire disait « Je suis heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et le bonheur participerait d'une diététique de l'existence. Il y a, pourrait-on dire, une vertu du bonheur qui a son utilité pratique. On vit mal dans le bonheur ou dans le malheur ou dans la tristesse. Mais peut-être est-ce que nous confondons ce qui peut aider à être heureux avec le bonheur. Or, ce qui peut aider à être heureux n'est pas le bonheur. Lorsqu'on dit de quelqu'un « il a tout pour être heureux », c'est pour ajouter en général, mais il ne l'est pas. Et le bonheur après lequel nous courons, comme des inconsolables, reste au fond au centre d'une interrogation fondamentale sur le sens de nos vies. On peut se demander si la quête du bonheur à tout prix, dans notre société, n'est pas la forme moderne de la recherche du salut. Et contrairement à l'aphorisme de Saint-Just, le bonheur n'a jamais été une idée neuve en Europe. Toute la morale antique s'applique à développer une sagesse visant le bonheur de l'homme, et le christianisme n'est pas en reste, parce qu'il y a ce texte magnifique, avec ses promesses répétées de bonheur, les béatitudes, placées dans la bouche de Jésus comme une réponse à la question du bonheur. Et peut-être je voudrais simplement vous lire ces versets, qui sont ceux du patron, hein, on est dans le cœur du business, là, le cœur de métier, parce que les béatitudes, c'est véritablement le monde à l'envers. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Alors peut-être un mot à ce sujet. Les béatitudes, c'est le monde à l'envers. Qui croit spontanément que la pauvreté puisse nous rendre heureux? Qui croit que la terre puisse appartenir aux doux? Qui croit faire reculer le malheur du monde grâce à son action? Et en fait, c'est la première des béatitudes qui nous livre la compréhension de toutes les autres. Et c'est le seul point que je voudrais développer en une minute. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre, il en est très fréquemment question dans la Bible.
Le pauvre au sens biblique du terme, c'est celui qui accepte sa condition comme une condition de manque, celui qui accepte sa radicale limite, sa dépendance, sa vulnérabilité. Et se reconnaître pauvre de cœur, c'est le lieu de vérité et donc de liberté essentielle. Le pauvre de cœur, il n'est pas encombré par mille choses. Il peut écouter, il peut recevoir, il peut s'enrichir de l'autre. Le pauvre de cœur n'a pas de regard sur lui-même. Il n'est pas emprisonné en lui-même. Il est libre pour écouter, pour recevoir. Le pauvre de cœur, il n'a pas la volonté de posséder. Il n'enferme pas ce qu'il reçoit, il ne s'y agrippe pas. Il est ouvert vers le ciel et vers les hommes. Il accueille l'amour, le réfléchit, le diffuse, le donne. Et tout ceci en pure gratuité. Et c'est cela qui est extraordinairement déstabilisant. La gratuité, c'est le monde à l'envers. Quelle merveille de réaliser que tous, les uns et les autres, nous avons tout reçu gratuitement et qu'on est invité à rentrer dans cette dynamique fondamentale de la gratuité qui est celle de la vraie richesse, celle du partage, de l'échange, du don. Et au fond, chez le pauvre de cœur, le don reçu circule. Le pauvre de cœur est au service de l'amour et c'est certainement là une piste essentielle sur la recherche du bonheur. Quelle entrée en matière! Merci beaucoup, Père Antoine de Romanet. Karine Mignon-Louvet, alors ça ne va pas être simple de prendre la suite, mais en même temps, quelque part, vous êtes une femme libre, puisque c'est un petit peu, le pauvre de cœur, c'est un petit peu ça, hein, c'est cette liberté de donner, les libertés de vivre pleinement. Alors vous êtes avocat à la Cour, au barreau de Paris, co-gérante du cabinet Bourgeois Rézac Mignon. Vous avez rédigé le premier essai sociologique sur la profession d'avocat et vous êtes à l'origine de la journée du bonheur de l'avocat. Racontez-nous un petit peu, dites-nous voilà, ce à quoi ça vous fait penser, ce que vient de dire le père Antoine, et puis aussi voilà, comment vous vivez cette conquête du bonheur, vous qui avez créé la première journée du bonheur de l'avocat. Oui, merci de me donner la parole. Moi, je vais faire l'exemple pragmatique de ce que vient de vous dire le père de Romanet, puisque je suis partie de... deux choses très importantes pour moi, qui étaient de dire que pour être heureux, il faut passer par la quête du sens, et que ça passait donc d'abord par rechercher son propre bonheur à l'intérieur de soi, mais aussi par le fait de dire que pour être heureux, on peut aussi rendre les autres heureux, ce qui nous rend nous-mêmes heureux. Et la deuxième chose que je me suis dite assez rapidement quand j'ai commencé mon métier d'avocat, c'est que parfois, pour accéder au bonheur, il fallait passer par le malheur ou par les difficultés. L'avocat, c'est qui ? L'avocat, c'est quelqu'un qui va aider les autres à trouver une solution, résoudre des problèmes, et donc, quelque part, essayer de rendre les gens plus heureux. Et l'avocat, dans sa relation avec le client, va rentrer dans son intimité de quête de sens. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire par exemple une personne qui a envie de créer une société, c'est un grand chamboulement, le chef d'entreprise qui a envie de revendre sa société, c'est aussi un grand chamboulement, mais un licenciement, un couple qui se sépare, etc. Et de là, je me suis dit que si nous avions cette possibilité en tant qu'avocat d'aider et de rendre les gens plus heureux, on pouvait aussi le faire pour soi-même. Parce que dans mon parcours professionnel, j'ai toujours essayé d'œuvrer pour la profession. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis tournée vers le bonheur des avocats. Alors, bizarrement, parce que je rejoins le père de Romanet sur ce qu'il a dit, sur le fait que la recherche du bonheur, en fait, c'est pas très révolutionnaire comme idée. Hein. Tous les hommes et toutes les femmes ont ce point commun de vouloir rechercher le bonheur. Mais le jour où je suis arrivée au Conseil de l'Ordre en disant ben moi j'ai une idée, je voudrais faire la journée du bonheur des avocats, on m'a regardée et je me suis rendu compte que finalement pour un avocat être heureux ça n'avait pas l'air une vraie problématique, mais en réalité depuis plus de 4 ans maintenant que je fais cette journée et tous les travaux autour de la qualité de vie au travail des avocats, je me rends bien compte que nous en avons vraiment besoin. Et le fait d'avoir ce fil conducteur, d'être fier de notre profession et de pouvoir aider les autres et prendre un peu de recul lors de cette journée, de réfléchir justement à la quête du sens. Pourquoi on est avocat ?
ne pas se perdre dans nos urgences, nos conflits, nos pressions, notre stress, et de pouvoir juste souffler et se dire, tiens, la quête du sens, je suis avocat et je suis heureux de l'être. Et bien voilà, pour moi, c'est ça le bonheur. On y reviendra très certainement. Cette table ronde sur la conquête du bonheur, elle se décline en trois volets, le défi de la simplicité, la vie à bras-le-corps et la force du lien. Quelque chose me dit, Valérie Gauthier, que la force du lien, ça doit particulièrement vous inspirer. Alors, je vous présente, vous êtes américaine et française, vous avez la double nationalité, vous êtes professeur et écrivain, vous cumulez les casquettes puisque vous êtes diplômée en psychologie, en lettres et en management, vous enseignez à Paris, à HEC, mais aussi aux États-Unis, notamment au MIT, et en août, vous avez sorti un livre, Le savoir relié vers un leadership intuitif et relationnel. Merci de m'accueillir ici. Et en effet, on parle beaucoup de la quête du sens, de la notion de sens. Et ce que je vous propose, c'est d'évoquer le comment. Alors, comment on peut se développer dans la force du lien, se développer dans la recherche de soi, dans la meilleure compréhension de qui on est et dans sa relation à l'autre. Le savoir relié, c'est à la fois une méthode que j'utilise dans mes enseignements, mais également en management dans les entreprises, et qui permet à chacun de se trouver et de trouver le sens. Le sens, c'est un mot très intéressant, parce que la polysémie du mot sens apporte beaucoup de richesse. C'est un mot qui veut dire évidemment signification, mais également sensibilité. Et dans la notion sensible, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a tendance à raisonner soit de façon rationnelle, soit de façon émotionnelle. Donc on a le rationnel d'un côté, l'émotionnel de l'autre. Et au milieu de ça, il y a le sensible qui permet d'avoir une appréhension du monde beaucoup plus proche de sa réalité. Or, le cerveau interprète en permanence notre relation à l'autre, notre relation au monde, et quand on retourne au sens premier, que sont les cinq sens, par exemple, et que la poésie, par exemple, vous parliez de mon passé en littérature, en particulier en poésie, permet une ouverture et une relation beaucoup plus sensible et beaucoup plus riche de la réalité de ce qu'est l'autre. Alors, dans la méthode pratique et dans la façon dont ça se décline pour développer votre sensibilité, c'est une méthode qui vous amène à une force d'introspection, donc de questionnement par rapport à vous-même, et de mise en relation avec une autre personne et un groupe de façon extrêmement qualitative par un processus qui s'appelle la conversation. La conversation, c'est une capacité à écouter et à échanger avec l'autre de façon intime, personnelle et profonde, sans jugement, sans intention, de façon absolument neutre, de manière à être vraiment à l'autre. Cette expression « être à l'autre », c'est une disponibilité, une ouverture qui, dans votre profession, est absolument essentielle afin de recueillir les informations à la source, telles qu'elles sont, et non pas sous forme d'interprétation. La richesse du recueil d'informations que vous avez dans ce type d'approche va vous permettre d'approfondir et d'améliorer à la fois votre relation à l'autre, mais aussi votre relation à vous-même. Alors la quête du bonheur, la quête du bien-être, ça passe aussi par le respect, la bienveillance, qui sont les conséquences de cette mise en relation, qui développe aussi une forme de confiance en soi et de confiance en l'autre. Je termine par trois mots-clés qui résument ce que peut-être, alors on parle de leadership, mais on parle simplement d'individu, donc un leader savoir relié, qui est la capacité à être authentique, et j'ai écrit le livre en anglais, donc en anglais c'est « genuine ». La deuxième caractéristique, c'est la générosité, donc c'est « generous ». Et la troisième caractéristique, c'est « generative », c'est la capacité à innover, fédérer, générer une activité dans l'innovation, une innovation qui fait du sens, avec l'objectif de donner du sens. Très bien, merci beaucoup. Général Christophe de Saint-Chamas, hein, on ne prononce pas le S. Hein. Vous êtes général de corps d'armée, ce qui veut dire que vous avez 4 étoiles hein, sur vos manches. Et ces 4 étoiles, eh bien, vous les avez bien méritées, parce que le commandement de terrain, ça vous connaît. La guerre du Golfe avec l'opération Tempête du Désert, l'opération Pélican au Congo-Brazzaville, l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, le Tchad, la Centrafrique et j'en passe. Et de 2011 à 2014, eh bien, vous avez commandé la Légion étrangère. Et aujourd'hui, vous êtes l'officier général pour la zone de défense ouest. Ce qui veut dire que vous avez sous votre commandement 20 départements de l'ouest de la France. Vous êtes donc commandant d'armée basé à Rennes. Merci d'être venu de Rennes pour venir nous rejoindre ce matin. Alors j'imagine que l'esprit de groupe
doit faire partie pour vous de cette image de la conquête du bonheur. Merci d'accueillir un militaire. On dit souvent qu'on a le devoir de réserve. Et les gens s'abritent derrière ça pour comprendre l'interdiction de réfléchir. Donc je vais réfléchir avec vous. Et en plus, je vais utiliser des mots plus simples et peut-être plus crus. L'expérience du métier militaire et la réflexion me disent que l'homme, l'oiseau, il vit dans l'air, il s'épanouit dans l'air. Le poisson, il s'épanouit dans l'eau. L'homme, il est fait pour vivre en société. On ne peut pas vivre tout seul. On vit en société et j'ai la conviction que l'anthropologie humaine fait que l'homme s'épanouit dans le groupe, mais il s'épanouit non pas avec le groupe, mais quand il donne au groupe. Je pense que nous nous épanouissons dans le don. Alors ça peut être sous toutes ses formes, le surpassement, le don de soi. Et donc pour moi, le bonheur ne réside pas dans un parcours hédoniste, individuel, de recherche d'un bonheur personnel, mais plutôt dans un parcours de groupe où l'intérêt individuel va passer derrière l'intérêt du groupe. Et dans le métier militaire, on le vit tous les jours, puisque le jeune soldat, c'est un grain de sable, et son régiment, c'est une barre de béton. C'est-à-dire qu'il arrive malgré toutes ses fragilités individuelles, elles sont transcendées par le don qu'il fait de lui-même au groupe. Et ce qui fait que les gens arrivent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées, parce que c'est grâce au groupe. Est-ce que vous auriez un exemple à partager, notamment peut-être ce que vous avez pu vivre au sein de la Légion étrangère ? Alors le légionnaire, c'est un oiseau blessé, c'est un homme qui veut écrire une deuxième vie. Il a parfois eu des difficultés, des soucis personnels. Il a le syndrome de la page blanche. Il veut redémarrer sa vie, la réécrire avec un beau stylo. Et du coup, il arrive, il est à l'écoute. On lui fixe des règles qu'il accepte. Et il va avoir cette démarche, à travers le groupe, d'essayer d'écrire une vie parfaite. C'est-à-dire, si nécessaire, il va vouloir tout donner, si nécessaire jusqu'à sa vie. C'est ça qui est assez incroyable. Qu'un militaire français meure pour la France, c'est dans les textes. Ça peut nous arriver quelque part quand on est français. On dit, ben voilà, il a fait le choix de donner pour la France. Le légionnaire, c'est un étranger qui vient pour la France. En fait, c'est un étranger qui veut se racheter, se reconstruire, si nécessaire, auprès d'une facture très lourde. Et donc tout ça, le groupe va l'aider à en faire un petit peu sa ligne de vie. Pour qu'il se surpasse à travers ce parcours qui est exigeant. Est-ce que je vais trop loin si je dis que finalement, pour lui, la conquête du bonheur, c'est ce rachat de sa vie, de sa réputation ? Alors, c'est complètement cette logique, du rachat. On parle de deuxième chance, et c'est un peu ce parcours permanent. On dit que la Légion accueille pas toujours des premières classes, et pourtant, elle obtient le prix d'honneur. Elle prend les gens souvent très bas, cabossés, et puis le 14 juillet, c'est ceux qu'on applaudit. C'est les stars du 14 juillet, c'est clair. Ça va rejoindre un petit peu ce que le père Antoine de Romanet disait en introduction avec la notion du salut, quelque part. Véronique Poulain, je me tourne vers vous. Alors, votre domaine à vous, Véronique, c'est le spectacle vivant. Vous avez notamment travaillé très longtemps aux côtés d'un immense artiste, Guy Bedos, qu'on connaît tous. Rien à voir avec moi, je vous rassure. Oui, j'allais dire, et cela pendant 15 ans, donc vous l'avez accompagné. Vous venez de sortir un livre très émouvant, « Les mots qu'on ne me dit pas », dans lequel vous évoquez avec humour vos rapports avec vos parents qui sont tous deux sourds. Alors, je me dis, peut-être par rapport à votre histoire personnelle, il y a deux mots clés. C'est l'humour et la communication. Est-ce que ça peut être des piliers de la recherche du bonheur ? L'humour, oui, la communication, la simplicité, parce que ma langue maternelle étant la langue des signes, extrêmement simple, attention, pas simpliste, elle est très compliquée quand on veut l'apprendre, mais elle va droit au but. Moi, je suis en mode survie aussi depuis que je suis née, donc la conquête du bonheur, je crois que je le vis tous les jours. Et, qu'est-ce que vous voulez dire par le mode survie ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans ce mode depuis petite. Je pense que le fait d'être différente des autres enfants m'a donné une combativité
que j'ai pris pour de la survie, la plupart du temps. Mais pas là pour parler de ça. C'est intuitivement, vous vous sentez en fait dans ce mode-là par rapport aux autres. C'est-à-dire que rien n'est gratuit, rien ne tombe tout cru dans le bec. Non, ça se conquiert. Je suis aussi dans la même lignée que le père Antoine, dans sa définition du bonheur. Et moi, je dirais que pour moi, il y a deux mots-clés dans cette quête du bonheur. C'est quand même alors, l'énergie que ça confère, de quêter sans cesse le bonheur, et le partage et la joie. Ce sont mes trois énergies, partage et joie. Et comment on fait pour réussir à vivre ce partage, cette joie? Si vous aviez un comment, tout à l'heure Valérie Gauthier parlait du comment, c'est quoi votre comment à vous? Le partage, quand on a de l'énergie, qu'on sait qu'on en a à revendre dans cette quête insensée du bonheur, on la partage avec les autres, tout simplement, en leur donnant de l'énergie, en les aidant, en étant avec eux, en partageant, en communiquant. La quête du sens aussi, se mêlant à tout ça, c'est un partage qui est en plus très, très gratifiant. Donc on y accède un petit peu au bonheur. Et je veux bien juste un petit mot sur la différence, parce que pour le coup, justement, vous étiez différente en tant qu'enfant de parents sourds et vos parents étaient différents. Et donc, comment est-ce qu'on vit la différence dans un monde qui, quelque part, voilà, met plein de concepts en place, promotion de la diversité, lutte contre les discriminations, mais quelque part, ça montre bien que c'est pas si simple de vivre ensemble avec nos différences, non? C'est-à-dire qu'on se sent pas du tout différent quand on est petit, puisque c'est notre vie, donc elle est normale. Et le regard des autres... Un jour, on est dans la rue, on s'aperçoit que les gens rigolent parce que vos parents se parlent avec les mains et que ça ne se fait pas à l'époque. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes parents que les autres. Et en général, moi, je me mettais en colère. Je trouvais ça parfaitement injuste et je ne comprenais pas pourquoi ça pouvait arriver, ça. Donc, cette différence, je pense, a été une leçon de tolérance. Et du coup, il y a une clé pour passer outre? Pour réussir à aller outre la colère, je vous cuisine un petit peu, Véronique. Hein. Je vois ça. La colère, ça aide, c'est un beau moteur. Hein. Alors, il ne faut pas rester en colère. Il faut aussi voir ce que ça peut provoquer de beau, parfois, la colère. Et donc, je pense que c'est le... la joie. Je reviens toujours au même concept. C'est quoi la question? Excusez-moi, je me suis perdue en route. La clé pour dépasser la colère, finalement. Ah, je suis toujours en colère, moi. C'est peut-être une sainte colère, hein, Père Antoine de Romanée, vous nous direz. Elle me donne de l'énergie, en tout cas, que j'estime positive. Alors, alors, faut peut-être pas la quitter. Merci beaucoup, Véronique. Oui, je vous en prie. Brigitte Lefèvre. Alors vous êtes une grande figure de la danse classique, vous êtes entrée à 8 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, toute votre vie va être au service de cet art si exigeant qu'est la danse, vous êtes donc danseuse et chorégraphe, vous venez à peine de quitter vos fonctions à la tête du ballet de l'Opéra de Paris, c'était le 1er novembre dernier, et aujourd'hui vous enchaînez directement avec la direction artistique du Festival de danse de Cannes. Alors j'imagine que pour vous, peut-être que la conquête du bonheur passe par le corps. Elle passe surtout par l'éducation. Et je pense que c'est basique. Hein. C'est déjà ce qu'on reçoit, vous venez de l'expliquer tout à l'heure, par rapport à ce que vos parents vous ont apporté. Même cette rareté, je pense que finalement c'est une richesse. Votre colère, c'est votre énergie. Mais en fait, c'est différents points. Moi, je pense qu'on a des points, d'abord on démarre, c'est une écriture aussi. On démarre, il y a des points de suspension, il y a des points d'interrogation, des points d'exclamation et d'autres. Mais c'est surtout une éducation de savoir que ce que l'on est peut être beaucoup mieux que ce que l'on pense et même ce que les autres pensent. Et je crois que le fait, d'abord, nous, la conquête du bonheur, en admettant que ça puisse exister, moi, ça me fait un peu sourire, mais ça me fait sourire, en revanche, vraiment. Mais c'est le fait d'être éduqué non seulement par sa gestuelle, par une façon de savoir qu'il y a une écriture du corps différente. Par exemple, vous parlez du langage des sourds et muets. Nous, dans la danse classique, moi, je n'aime pas que la danse classique, j'aime la danse au sens le plus large du terme. Mais, par exemple, on va vous dire « vous ». Je ne sais pas si vous avez compris, mais « vous, est-ce que vous voulez venir danser avec moi ?» Et ça, c'est une vraie conversation. Et on donne de l'énergie, on donne de la respiration. Et puis après, on va se mettre à faire des brisés volés, des tours, et ce qui va être très important. Mais finalement, ce qui aura peut-être été le plus important, c'est ce moment suspendu par les points de suspension. On va essayer de communiquer d'une autre manière.
Bon, alors la conquête du bonheur, moi je crois qu'elle est, elle est permanente. J'ai vu un film hier, je crois que, je ne sais pas si c'est le bon titre, ça s'appelle Celle de la Terre, c'est Wim Wenders qui a fait ça, et je suis encore bouleversée par ça. C'est sur les conquêtes de tout ce qu'on a pu voir avec les vous connaissez tout ça, les malheurs atroces, je suis encore dans l'émotion du Sahel, tout ça. Et puis d'un seul coup, on voit la nature, et on se dit, mais nous, qu'est-on ? Alors c'est vrai que dans la danse, on a l'impression, je mélange tout, mais c'est parce que tout est mêlé. Dans la danse, on va plus loin, on va respirer. Il ne faut pas s'arrêter. Pourtant, je le disais aux danseurs, j'ai dirigé le ballet de l'Opéra de Paris pendant 22 ans avec beaucoup de plaisir. Et puis finalement, une petite lassitude à la fin, c'était le moment où je me devais de partir pour rebondir. Ça, c'est aussi un autre mot, le rebondissement. Et en fait, on se rend compte que finalement, on appréhende l'espace, on appréhende la difficulté. Il faut être conscient du monde qui nous entoure, de ne pas s'enfermer. J'écoutais de faire une ministre, moi je ne connais pas bien tous les sujets, on voit bien qu'il se passe des choses, les avocats, les... mais ce qu'il a dit, moi ça m'a un peu convaincue, dans le sens qu'il faut pas, on n'est pas dans des statues. Hein. Et nous, les femmes, on n'est pas des Pénélopes, mais on est aussi des Pénélopes, parce que c'est beau le Pénélope quand même. Mais on est des Pénélopes qui en ont peut-être marre de tisser tout le temps pour recommencer, mais qui ont envie, elles aussi, de partir. Et la danse, c'est le mouvement. Et tout ça, c'est une espèce de chose, pour moi, qui se mélange incroyablement. Moi, je pense tout le temps, pas forcément très, très bien. Et puis, d'un seul coup, le moment venu, on se retrouve à ce qui se passe maintenant pour moi, pardon, de vous faire cette confidence. Je suis en train de faire une mise en scène sur les canines Nijinsky, ce magnifique danseur. On n'a pratiquement pas vu danser, pour plein de raisons, bien sûr. Il n'y a pas de film. Et pendant 5 ans, il a été le plus brillant dans le monde entier. Pendant 5 ans, il s'est battu. Et les 30 dernières années de sa vie, il a été dans l'obscurité de sa folie. Et il a écrit des carnets. Et là, on se rend compte à quel point l'équilibre est important. Cette quête de la lumière, vous en avez parlé, mon père, tout à l'heure, d'une certaine manière, cette quête de la lumière, cette inquiétude de l'obscurité et cette façon d'essayer de gérer tout cela. Et je pense que tous les intervenants qui sont là en ont magnifiquement parlé, ce qui me permet d'être un peu dans le désordre. Voilà, le bonheur, c'est aussi le désordre. Le bonheur, c'est aussi le désordre. Ça, c'est une phrase qu'il faudra qu'on y revienne, à mon avis. Ah, on va la breveter, vous avez raison. Thierry Casasnovas, alors vous prodiguez des conseils en alimentation via votre association qui s'appelle Régénère. Vous êtes un adepte de la cuisine crue, notamment donc, on vous appelle le gourou du cru, hein. Exactement. Oh, ah oui, carrément. Donc c'est un peu presque devenu une philosophie de vie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche, puisque vous avez de nombreuses vidéos, notamment sur YouTube, qui totalisent depuis 2010 environ 8 millions de vues. Donc on dit, ça fait de vous un phénomène sur YouTube, donc un YouTubeur. C'est assez intéressant parce que ça me fait penser à deux choses. Il y a d'un côté ce que vous allez pouvoir nous partager par rapport à cette philosophie d'une certaine frugalité, on va dire, et donc par rapport à notre thème sur la simplicité dans cette recherche du bonheur, ça peut peut-être se lier, vous allez nous le dire. Et puis aussi, peut-être parler un tout petit peu, si ça vous inspire, aussi des réseaux sociaux, parce qu'on n'en a pas parlé. Et aujourd'hui, alors que le lien entre les hommes et les femmes est très important, comment est-ce que Internet, qui a l'air de faire trembler beaucoup de gens aussi, eh bien, peut participer à cette conquête du bonheur. Mais ce sont des pistes que je vous lance. Sentez-vous libre. Merci. Alors, c'est certain que je vais avoir un regard qui va se situer un petit peu en rupture avec tout ce qui a été précédemment partagé. Non pas que ça vienne l'annuler, le contredire ou quoi que ce soit, mais j'essaye de déplacer un peu. Et donc, je vais prendre un parti délibérément. Je n'ignore pas tout ce qui a été partagé et qui me nourrit aussi énormément. Dans l'intitulé là, de cette journée, on parle de conquérir le bonheur. Mon regard, moi, en tant que physiologiste délibéré, me dirait qu'il me semble qu'il faudrait plutôt rétablir les conditions propres au bonheur. C'est comme si conquérir le bonheur, c'était quelque chose qui manquait à l'être humain et qu'il fallait aller surajouter. Ce que j'ai remarqué au travers de mon étude de la physiologie, c'est qu'il y a des lois propres au fonctionnement de l'être humain. C'est un peu comme une machine. Quand vous avez une machine, la première chose que vous faites quand vous avez une machine qui vous arrive chez vous, vous prenez le mode d'emploi. Le problème, c'est que, en tant qu'humain, moi, le mode d'emploi, en tout cas à titre personnel, on ne me l'a jamais donné. J'ai fait un petit peu comme mes parents faisaient, comme ma culture faisait, et puis j'ai suivi le mouvement du monde, le mouvement de la société. Imaginez que vous êtes, par exemple, vous arrivez dans un nouveau pays, puis vous prenez tous les jours
une double voie. Et sur cette double voie, il y a un radar. Un jour, vous passez à une certaine vitesse, et puis, clac, vous êtes flashé par le radar. Un autre jour, vous passez, et vous n'êtes pas flashé par le radar. Puis un autre jour, vous allez à nouveau passer, puis ce jour-là, vous allez être flashé. Et vous allez dire à votre ami, mais je ne comprends pas ton pays, c'est complètement aléatoire. Il y a des jours où je me fais flasher, il y a des jours où je ne me fais pas flasher. Et puis là, votre ami, peut-être qu'il va vous dire, mais écoute, dans notre pays, si tu roules au-delà de 130 km/h, tu es en infraction. Si tu roules en deçà de 130 km/h, tu n'es pas en infraction. Pour le corps humain, je me suis rendu compte qu'il y avait des lois qui étaient tangibles, qu'on voyait à l'action, et qu'elles participaient beaucoup à ce qu'on appelle la notion de bonheur. Parce que le bonheur, tel qu'on le définit souvent, on a l'impression que c'est quelque chose aussi qui est complètement dématérialisé. C'est quelque chose qui est un peu dans les nuages, dans les limbes. Et j'ai passé suffisamment de temps, moi, en psychanalyse, parce que j'ai eu ma période où je cherchais le bonheur, désespérément, et j'ai tapé à de nombreuses portes pour trouver le bonheur. Et j'aimerais bien m'en ramener le bonheur simplement, déjà, dans sa dimension la plus corporelle, parce que je pense que la pensée humaine aussi s'inscrit dans des cellules, et que l'état de nos cellules conditionne l'état de notre pensée. Je ne nous ramène pas simplement à un fonctionnement cellulaire et matériel, mais je pense qu'il s'inscrit complètement là-dedans. Et force est de constater, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, dépressives. Alors, quand quelqu'un est dépressif, on a plutôt tendance à considérer qu'il n'est pas dans l'état de bonheur, hein, globalement. Et bien, ces personnes, on leur donne des neurotransmetteurs comme de la sérotonine ou de la dopamine, par exemple, et tout de suite, bien, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et leur capacité à accéder au bonheur est beaucoup plus importante. La sérotonine et la dopamine, on s'est rendu compte de plus en plus, et c'est relativement récent, c'est les travaux des 15-20 dernières années, que la majorité, 90 à 95% de ces neurotransmetteurs, sont produits dans les intestins. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, il y a une véritable épidémie qui se passe au niveau sociétal, c'est l'épidémie de dépression, de déprime, de morosité et de tristesse. Force est de constater aussi que les modifications de notre alimentation ont été majeures durant les 20 ou 30 dernières années. En vérité, on dit depuis l'après-guerre. Depuis l'après-guerre, effectivement, il y a eu des modifications radicales dans notre alimentation, tant en termes de qualité que de quantité, qu'en termes d'additifs alimentaires. Quand on pense que 90 à 95% de nos neurotransmetteurs sont produits dans les intestins, on peut comprendre que le régime alimentaire va avoir une incidence directe, puisque ce que l'on met dans nos intestins va avoir une incidence directe avec le fonctionnement de ces 10 intestins. Je me suis rendu compte, effectivement, alors, parler de cru ou de pas cru, ça me paraît parfois un peu réducteur. C'est pour ça que j'aime bien le nom qu'a notre association qui s'appelle Régénère, parce que quelque part, pour moi, c'est un but. Le moyen qu'on utilise pour ça, j'aime pas faire de catégories trop figées, trop carrées. En fait, il y a beaucoup d'adaptations individuelles. Puis j'imagine que vous êtes encore en recherche. Mais oui, c'est permanent. Je veux dire, qui prétend connaître l'humain, même la physiologie humaine, qui prétend comprendre le fonctionnement d'une cellule? C'est quelque chose qui est d'une infinie complexité. Je pense qu'il y a un moment, enfin moi-même, souvent quand je m'intéresse à certains processus physiologiques, il y a un moment où je m'arrête, parce que là, je bute contre quelque chose qui me paraît ne plus être de mon domaine même. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est l'inconnu. L'inconnu, là, qu'on va appréhender plutôt de manière spirituelle. Si on va un petit peu droit au but, oui. Si je comprends bien, voilà, depuis l'après-guerre, notre nourriture a beaucoup changé et maintenant elle est très industrialisée surtout. Avec beaucoup d'additifs alimentaires, ainsi et donc de suite. Il faudrait revenir à une alimentation beaucoup plus saine et plus naturelle. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que, par exemple, vous allez avoir des générations comme les générations des grands-parents qui, eux, ne se sont jamais posés de problème et qui voient leur petit-fils complètement déprimé à 18 ans, qui passe son temps sur un jeu vidéo, habillé tout en noir, avec une tête triste possible. Il dit, mais bouge-toi, quoi. Mais moi, à ton âge, j'avais pas tes problèmes et tout. Et ils ne se comprennent pas. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, il y a un décalage complet, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur petit-fils, c'est pas une question de volonté, obligatoirement. C'est pas une question de volontarisme, mais mets un sourire, sois heureux. Non, mais s'ils pouvaient être heureux, ils le seraient. Je crois que c'est l'état par défaut de l'être humain. Non, leur petit-fils, il n'est pas heureux simplement parce qu'il a été soumis aussi à un mode de vie global. Il n'y a pas que l'alimentation. Qui est anormal et qui ne permet pas de prospérer et donc de sortir tout son potentiel. Voilà un petit peu l'éclairage que je D'accord. voulais apporter. Alors effectivement, c'est sûr qu'on peut imaginer que quand on n'est pas bien dans son corps, qu'on est malade, déjà on n'est pas particulièrement heureux en général. Je me dis par rapport à ce que vous venez de dire, à cette notion de volonté, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas que la volonté dans cette histoire. Je fais cette remarque et on verra qui a envie de réagir par rapport à ça. Je sais que, par exemple, on dit souvent quand on veut, on peut, et ça sonne un peu comme ça, comme presque un jugement, parce que c'est assez terrible pour celui qui n'y arrive pas. Or, il y a une maladie psychologique qui s'appelle l'aboulie, et c'est une maladie qui empêche de vouloir.
Et donc, du coup, on peut parfois poser des jugements très durs sur des personnes qui, finalement, souffrent d'une maladie à plusieurs niveaux, ça peut être à plusieurs degrés. Mais je me tourne vers vous, Général, parce que je me dis, d'un autre côté, vous qui avez beaucoup voyagé, notamment dans des pays qui étaient en guerre ou en détresse, ce sont aussi des pays où ils sont très mal nourris, pour le coup, ils n'ont pas grand-chose à manger, et pourtant, souvent, ils ont d'énormes sourires dans des situations parfois... Alors que nous, chez nous, je sais que le baromètre du moral dit qu'on est à le moral, les Français ont le moral plus bas que les Irakiens ou les Afghans. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé une fois au Rwanda pour accompagner le ministre de la Santé, M. Doustoblasi, qui voulait éveiller la communauté internationale au drame. Et journée à côtoyer des cadavres toute la journée, absolument glauque, une des pires de ma vie. Et j'ai entendu à un moment un éclat de rire d'une femme. C'était une religieuse qui s'occupait des enfants qui mouraient à tour de bras et qui éclate de rire et j'entends de loin « Bon, l'important aujourd'hui, c'est qu'on ait la messe. » Et là, je me suis dit, je suis passé devant des gens, en repassant, ils étaient morts. Hein, donc c'était vraiment des situations d'extrême. Je me suis dit, voilà, je pense qu'il y a la volonté, quelquefois on n'a pas la volonté. La clé, je pense, c'est de donner du sens à ce que l'on fait. Et quand on donne du sens à ce que l'on fait, on progresse. Alors c'est vrai avec ces gens-là. Je pense que c'est vrai dans les métiers, c'est vrai dans le métier militaire. Quand on donne du sens, on fait progresser les gens. Vous connaissez sûrement cette histoire du tailleur de pierre sur la qui casse des cailloux. Le deuxième, il nourrit sa famille avec le même geste. Et le troisième, il construit la cathédrale de Reims. Donc quand on donne du sens aux choses... Mais je pense qu'on sort de cette spirale, est-ce que j'ai la volonté, est-ce que j'ai pas. C'est en regardant au loin, et non pas en se regardant le nombril, qu'on a peut-être des chances de voir cette ligne d'horizon où derrière laquelle se cache le bonheur. Mon père, je crois que vous devez absolument réagir à ça. Ce que dit notre ami nutritionniste est extrêmement intéressant dans cette période où on s'interroge sur le point de savoir si l'homme est simplement un animal économique qui consomme. Il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que ça évoque. « Il semble que la perfection soit atteinte, non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. » Et il me semble que ce qui est essentiel dans tout ce qu'on vient de partager, avec mon regard, c'est vraiment le rapport à l'autre, contre tout individualisme. Et au fond, cette recherche aussi du bien commun, qui est beaucoup plus que la somme des intérêts individuels. C'est ce que, en général, vous nous avez expliqué aussi. Et je crois que le cœur de tout, c'est de mettre l'homme au cœur de tout. Tout l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme. Et au fond, je crois que ce qu'on essaye tous de balbutier, c'est que la grande puissance du monde, c'est l'amour, au sens du décentrement, de l'ouverture et du don. Et que je crois que ce qu'on essaye tous aussi de balbutier, c'est que notre bonheur, c'est pas d'être repu, c'est d'être donné. Qui a envie de réagir, Valérie Gauthier? Pour prolonger la discussion sur cette notion de sens et de la relation à l'autre, accepter le regard de l'autre, accepter l'autre tel qu'il est, c'est pour moi un mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui est parfois mal employé, c'est le mot résilience. On a parlé de rebond. Accepter le regard de l'autre, c'est le premier pas vers la résilience. C'est-à-dire, c'est une forme d'ouverture, de capacité à s'exposer et à accepter qu'on reçoive de l'autre un regard, un point de vue, à nouveau, qui n'est pas une intention, un jugement, mais qui est simplement ce regard et qui nous permet un éclairage sur nous-mêmes. Plus on est capable de s'ouvrir aux uns et aux autres, plus on va à la fois apprendre sur soi, et j'avais pour habitude de dire, lorsque je dirigeais le MBA d'HEC, et qu'il y avait une grande diversité de profils, d'expériences, de gens qui travaillaient ensemble, c'était de dire que plus il y a d'écart entre deux individus, plus l'effort pour aller vers l'autre est important, et plus en chemin on va apprendre sur soi. Et c'est ce travail d'aller vers l'autre et de garder cette ouverture à l'autre qui va permettre une évolution collective. Et pour parler un peu plus de la notion de résilience, c'est aussi, on est dans une spirale difficile, et quand on est en crise, on a tendance à se replier sur soi, donc cette notion d'ouverture est importante. La résilience, c'est aussi la capacité à regarder en face des moments difficiles,
à les analyser et ne pas tomber dans un positivisme aveugle, mais regarder cette réalité avec d'autres et avec le regard des autres, comprendre qu'on n'est pas seul dans ces difficultés et donc s'inspirer de ces regards pour pouvoir rebondir et avancer. À la fois puiser dans sa propre énergie et dans sa propre expérience, mais surtout aussi accepter l'expérience des autres pour pouvoir avancer. Et c'est ce rapport-là qui nourrit les uns et les autres et qui, dans ce que j'appelle le savoir relié, permet aussi de trouver ce chemin qui va permettre à la fois aux entreprises, aux individus, aux organisations de créer ce sens. Et je rebondis juste sur un mot que Père Antoine, vous avez employé, qui est le décentrement, qui est un mot clé pour moi, et qui est cette capacité à projeter dans un nouvel environnement qui est fort d'incertitudes, donc de dangers, donc de peur au départ, mais cette ouverture et ce décentrement est au contraire la force qui nous permet d'avancer dans un monde qui fait peur, qui est incertain, complexe, et c'est cette force-là qu'il faut aller rechercher, le décentrement. J'ai envie de réagir à ce mot décentrement. Là, je quitte un petit peu ma casquette d'animatrice et je deviens un peu une intervenante avec vous. Mais c'est vrai que ça me fait penser, j'ai envie de vous partager ça. Moi, je viens d'une famille où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. C'était que les inadoptables, les enfants trop cabossés, trop traumatisés, qui avaient des handicaps trop lourds ou qui étaient trop âgés, et puis un petit peu de tout ça à la fois. Et à chaque fois que mes parents tombaient sur un dossier comme celui-là, ils avaient le cœur déchiré, ils se disaient « bon, on ne peut pas le laisser de côté, on va le prendre ». Et c'est comme ça que peu à peu, on s'est retrouvés une vingtaine. Et du coup, on a vécu quelque chose d'assez incroyable, qui finalement montre que tout est possible. Et dans ce monde très anxiogène dans lequel on vit aujourd'hui, et bien c'est quand même important de savoir que tout est possible. Et effectivement, comme l'adoption, c'est quelque chose d'assez compliqué à la base, on peut se dire que mes parents étaient juste un peu fous et qu'a priori ils ont juxtaposé les uns à côté des autres des problèmes insolubles et donc normalement ça doit donner la cata. Parce que l'adoption c'est pas quelque chose de simple, chaque enfant vient avec cette blessure terrible de l'abandon qui fait qu'il peut avoir une certaine colère, revendiquer beaucoup plus d'attention avec presque parfois de la violence. Et finalement je crois, vous savez c'est saint Augustin qui dit la mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure. Et je crois que c'est la démesure qui nous a sauvés. C'est-à-dire que chacun de nous, enfants, on avait donc de quoi revendiquer cette attention, etc., si on se regardait le nombril, si on regardait sa petite vie à soi qui n'avait déjà pas été facile malgré notre jeune âge. Mais à côté de soi, à gauche ou à droite, il y avait un petit frère ou une petite sœur qui avait peut-être encore plus de quoi revendiquer. Et de là vient le décentrement, c'est-à-dire on choisit d'arrêter de regarder son nombril pour regarder à l'autre et essayer de voir comment on peut l'aider. Et ce qui est formidable, c'est que c'est à ce moment-là qu'on se sauve soi-même. C'est au moment où on décide d'aller aider l'autre qu'en même temps on se sauve. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Général. En fait, c'est un peu comme le vélo. Quand on arrête de regarder par terre, on acquiert l'équilibre. Hein. Et je voudrais faire un petit commentaire sur ce décentrement, qui est une des clés dans cette recherche, et que dans l'univers dans lequel j'ai vécu est un peu particulier, puisque les gens ont 150 nationalités à l'origine. Et il faut vivre au quotidien avec des gens qui ont 150 cultures au moins. Ils sont 7000, il y a 7000 raisons de venir, hein, et 7000 raisons de repartir d'ailleurs. Donc il faut fédérer tout cela. Et les gens sont... Il faut leur donner des règles. Alors quand j'expliquais la Légion quelquefois, peut-être pas à des juristes, parce que la loi est au-dessus, puis les règles intérieures, je le disais simplement, je disais, ici, c'est comme ça. Alors ça choque un petit peu, mais je pense qu'il y a des moments dans nos recherches, on a besoin, c'est pas du tout du politiquement correct, j'en sais rien, on a besoin d'un cadre, on a besoin de repères, on a besoin de règles. Et on voit bien que je pense que dans votre famille où vous étiez 20, le cap était donné par les parents, et chacun avec ses différences regarde le même objectif, hein, et que je pense que... C'est clair que c'était un peu militaire parfois. Alors, à la bon, maison. Peut-être, mais sans être forcément militaire, parce que dans tous les métiers, si dans l'entreprise il n'y a pas une heure d'embauche, on s'en sort bien pas. Sûr. Hein. Enfin, je crois que dans tous les métiers, il faut des règles qui permettent de regarder. Il faut un cadre. Voilà. J'ai vu que Brigitte Lefebvre a pris. Vous avez réagi tout de suite à hein, cette idée du cadre, des règles claires. Parce que j'imagine que vous oui, aussi. Il y a eu un grand directeur de l'Opéra de Paris. Moi, je suis directrice de la danse, mais c'est un homme qui s'appelle Luc Gall. Qui était assez sanguin, hein, moi je l'ai adoré d'ailleurs, il est toujours dans ce monde, mais il ne dirige plus. Et d'un coup, à la fin, il disait exécution,
On se marrait un petit peu quand même parce qu'on avait un peu d'humour. Et c'est comme ça. Et j'ai beaucoup pensé, enfin, ça m'amuse que vous disiez ça, j'ai beaucoup pensé, c'est comme ça. Et à partir de là, il faut qu'une liberté se positionne. Là, j'entends en parler, c'est vrai, tout est juste, il n'y a pas un mot qui manque. Si, il en manque encore. Parce que... Mais on peut s'inquiéter de l'incertitude. Mais moi, parfois, malgré tout, même si c'est comme ça, je m'inquiète parfois des certitudes. Ça. Alors... Vous parliez, madame, tout à l'heure de la résilience. C'est quelque chose qu'on chacun pourrait raconter sa vie. Je vous l'épargnerai. Mais, parce qu'elle est moins intéressante que la vôtre. Mais non, on connaît tous Boris Cyrulnik. Il a écrit un livre qui est très beau. Je crois que ça s'appelle « Sous le signe du lien ». Et on a écrit beaucoup, mais je vais pas vous faire, j'ai pas commencé à vous raconter tout ce que j'ai lu et surtout ce que j'ai pas lu. Mais en tout cas, j'ai lu celui-là. Et pour moi, c'est de la danse aussi. Donc la danse, elle participe de ça. Et je pense que je ne vais pas vous demander à tous de danser, mais si l'un par rapport aux autres, plutôt que de se parler, ce qui est important aussi, de converser, vous l'avez très bien décrit, vous dansiez, il y a une danse qui est très belle, ça s'appelle la danse contact. Ben, je vous assure, quand on a fait ça, vous la connaissez ? Vous l'avez pratiqué ? C'est absolument incroyable. C'est très simple. On commence front contre front. S'il y en a un qui veut donner trop d'énergie, il se casse la figure tous les deux. L'autre, vous avez compris, c'est l'équilibre ensemble. Mais ça participe, tout est modeste. La conquête du bonheur, c'est la modestie aussi, je crois. J'ai parlé du désordre, mais la modestie aussi. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est que finalement, à force de parler de l'épanouissement de soi, on oublie ce que vous avez parlé, ce que vous avez évoqué, ce que chacun a très très bien dit, c'est ce décentrement pour les autres aussi, mais pour les autres, et en même temps, éviter de se dire, c'est bien pour les autres, donc c'est bien pour moi. C'est un petit peu ça, quand on dirige une grande compagnie comme le Ballet de l'Opéra de Paris, on parle de son programme, on parle de ses danseurs, de son corps de ballet, puis au bout d'un moment, vous partez, vous le donnez à d'autres, et finalement, vous vous dites, ce qui est formidable, c'est de voir que ça marche. Et c'est ensemble que ça marche, et en même temps, il doit y avoir des gens dont c'est le métier de donner des cours, de diriger et autres. Donc c'est cette espèce de mini-société, un peu militaire, d'une certaine manière, mais qui est à la fois, parce qu'en fait, bon, là j'ai arrêté, mais en fait, chaque danseur qui arrive à l'école de danse de l'opéra, il veut être étoile. Donc il veut être individuel et le meilleur. Et comment il va arriver à conquérir, ce qu'on trouve dans d'autres endroits, je le sais, mais le fait d'être engagé entre le ballet, de passer les différentes périodes pour se rendre compte qu'il y aura peut-être 2-3 qui seront étoiles, et ce qui est même le plus terrible parfois, c'est que quand ils ont franchi toutes les étapes, ben, ce n'est pas les étoiles les plus heureuses, parce qu'ils veulent encore davantage. Parce que je pense que la vie, mon père, pardonnez-moi, la vie c'est comme le chemin de la santé et de la sainteté, on veut toujours davantage. Voilà. Valérie. Je m'applaudis oui. Moi-même. Alors, on parle beaucoup d'équilibre et je vais revenir à l'éclairage poétique. Vous vous demandez peut-être ce que la poésie vient faire dans tout ça, mais en fait, poésie et management, c'est quelque chose qui se relie très très bien. On est dans une tension permanente entre un besoin de repères et de cadres et un besoin de liberté. Une entreprise va bien fonctionner, une organisation va bien fonctionner quand on trouve cet équilibre entre les cadres, les repères, les valeurs, et la liberté, l'autonomie, la capacité d'expression. Or, qu'est-ce qu'un poème ? Un poème, c'est un cadre, c'est une structure, c'est même extrêmement rigide dans certains cas. Si on prend un sonnet, une villanelle, il y a des règles extrêmement strictes pour un poème, à l'intérieur desquelles s'exprime, se libère le langage, les mots. Et ce qui est intéressant dans la poésie, c'est que les mots ne sont pas là simplement pour signifier, pas simplement des messages, mais aussi pour résonner, les métaphores, les images, les sonorités, les rythmes. Et toute cette richesse et ce potentiel d'explosion, de liberté, d'expression, permet à la fois de respecter le cadre et d'exprimer cette liberté. Et appliqué au management, il y a un mot qui permet de réaliser ça, c'est la relationnalité. Et cette relationnalité, c'est à la fois une capacité à percevoir de façon sensible, d'analyser de façon rationnelle, de comprendre les relations
qui permettent à cet équilibre d'exister, et puis de se projeter, et là c'est le mot-clé en linguistique, même en traduction poétique, ça s'appelle le décentrement. C'est Henri Méchonique qui a utilisé ce mot pour cette pratique particulière, qui est donc cette capacité à projeter de nouvelles relations. Quand on veut traduire un poème dans une nouvelle langue, eh bien on crée un écosystème totalement nouveau, totalement libre, qui a son propre équilibre, mais qui va reproduire les émotions, les sens, la perception que l'on reçoit au départ de la lecture d'un poème, qui fournit pas seulement un message, mais aussi une liberté d'image et un foisonnement d'expression bien plus riche que les mots seuls. Merci. Alors, on est donc à l'université d'hiver du barreau de Paris. On est en train de parler du bonheur, de la conquête du bonheur. Et en même temps, on a tous conscience ici, et notamment vous qui êtes avocat et qui êtes donc plongé dans des réalités très complexes, chaque jour très concrètes, notamment dans cette période que l'on dit de crise, etc. Voilà, pas évident de trouver son chemin concrètement dans son quotidien, pour pouvoir vivre cette conquête du bonheur personnel et collective. Comment est-ce que vous voyez la chose, Karine ? Alors, moi, j'aimerais bien que mon général vienne au Conseil national des barreaux ou à l'Ordre des avocats et qu'il vienne nous dire « c'est comme ça ». Je ne sais pas si ça marcherait, mais moi, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout avec nous, parce que les avocats sont ainsi faits que lorsqu'on est 80 dans une salle ou 42 dans une salle, on a 42 avis et différents, et on a un réflexe de contre-argumentation qui est inhérent à la profession que nous exerçons. Le « c'est comme ça », chez nous, ça ne marche pas très bien. Alors, comment essayer justement dans l'aspect collectif, parce qu'en fait, nous sommes une somme d'individualités. Nous sommes pris dans nos cabinets, nos conflits, notre urgence, notre responsabilité, notre déontologie, la pression du chiffre, etc. C'est vrai qu'au niveau collectif, le fil conducteur, à mon sens, c'est cet esprit de survie, de combat, de défenseur des droits de l'homme. Nous défendons de grandes causes de liberté, d'indépendance et de soutien des difficultés, puisque quand le client rentre dans nos cabinets, il pose ses valises, quoi. Et puis c'est à nous, après, d'essayer d'en faire quelque chose. Et collectivement, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que travailler sur les difficultés de l'avocat dans son quotidien, et notamment améliorer la qualité de vie des avocats, c'était une manière de rendre les avocats plus heureux. Et donc, un avocat heureux, c'est un avocat qui fait bien son boulot et qui va rendre les clients heureux. Et c'est cool. De quoi l'avocat a-t-il besoin en particulier ? Avec votre expérience, aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant que vous avez lancé la journée du bonheur de l'avocat. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer vraiment ? Qu'est-ce qui est prégnant dans l'urgence dont les avocats ont besoin ? Alors, je parlerai d'abord de solitude et d'isolement. Et ce n'est pas lié qu'à la profession. Je pense que chacun d'entre nous ressent ce genre de sentiment, mais je pense que dans la profession d'avocat, qu'on soit dans un petit cabinet, dans un gros cabinet, la solitude et l'isolement de notre métier face à des situations complexes, et juridiques, techniques, matérielles, mais aussi très affectives, sentimentales. Nous, on mélange un peu tout ça, hein, c'est le mélange des genres, donc c'est le premier point qui ressort. Donc le fait de pouvoir se réunir, d'échanger, de se poser, moi je crois beaucoup en la psychologie positive. Voilà, on peut voir le verre à moitié vide, on peut le voir aussi à moitié plein, et ça fonctionne. Très bien. Thierry Casasnovas, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été échangé là ? Il y a plein de thèmes alors. Oui, mais il y a un thème là qui ressortait beaucoup quand même, il me semble, c'est que le bonheur est fortement lié à l'amour aussi. C'est ce qui a été beaucoup partagé. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je pense que si on n'est pas dans le bonheur, c'est quelque part qu'on n'est pas aussi dans l'amour. Or, l'inverse de l'amour, longtemps, moi, j'ai cru que l'inverse de l'amour, c'était la colère ou la haine. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte, en tout cas à titre personnel, que l'inverse de l'amour, c'est la peur.
la peur est l'inverse exact de l'amour. Et je pense qu'on vit actuellement, en tout cas sur le plan de la santé, des choses comme ça, dans un monde de peur. Et c'est là où je rebondis sur la notion de cadre et de liberté, qui peuvent paraître antinomiques. En tout cas, moi, jusqu'à mes 30 ans, je vivais dans un milieu dans lequel on parlait de cadre, mais on hurlait, on s'enfuyait, parce que le cadre, il ne fallait pas en entendre parler. Et l'image qui m'est venue là récemment, je me disais, voilà, si on a un animal de compagnie, et qu'on habite sur un terrain à côté duquel passe une voie rapide avec des voitures qui passent à toute vitesse, il y a deux possibilités. Soit on tient cet animal en laisse, et donc il sera soumis à notre arbitraire. Il n'aura aucune liberté, puis de temps en temps, crac, on tire la laisse, parce qu'on n'a pas sécurisé l'endroit. Ou alors, on clôture l'endroit de façon très stricte, et à ce moment-là, on peut lui laisser toute la liberté pour s'épanouir dans ce champ-là. Et c'est là qu'il va avoir sa véritable liberté, parce qu'il est préservé, il est dans une zone de sécurité. Et cette zone de sécurité, je crois que c'est la connaissance, alors sur le plan physiologique, moi ce qui m'intéresse, c'est la connaissance aussi des conditions propres à l'épanouissement de l'humain sur le plan physiologique, au niveau rythme de vie, au niveau qualité de vie, au niveau alimentation, au niveau rythme de vie, au niveau choix de vie. Mais je pense que ce cadre, il est important parce qu'à partir du moment où l'individu se trouve dans le cadre adéquat, eh bien, il fonctionne de manière adéquate et à tous les niveaux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ça peut aller très, très loin. Moi, il y a une phrase, puisqu'on a cité Saint-Augustin tout à l'heure, il y a une phrase, alors je vais la citer de mémoire, mais je crois qu'il disait « Aime et fais ce que tu veux ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se trouve dans le cadre strict de l'amour, toute action sera connotée de cet amour et toute action sera bonne, automatiquement. Et cette notion de cadre, moi, alors que je suis quelqu'un qui était vraiment hostile à toute notion, allergique à toute idée de cadre, j'ai découvert que le cadre, c'est la liberté, que le cadre, c'est ne plus être soumis à cette espèce d'arbitraire qui fait que, en termes de santé, par exemple, on dit à quelqu'un « Oh, ben, il était en pleine santé », puis d'un seul coup, 42 ans, un cancer qui lui est tombé dessus. Le gars, il marchait dans la rue, tranquille, et puis là, il n'était pas au bon moment, au bon endroit, et clac, pas de chance, ça lui est tombé dessus. Moi, c'est ce qu'on m'a dit il y a 8 ans. Il y a 8 ans, j'étais quasiment mourant. Et puis quand j'ai demandé, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Bon, on m'a dit, bon, c'est pas de chance. Maintenant, quand je regarde rétrospectivement mon mode de vie, je ne vais pas faire la liste, mais j'ai à peu près accumulé tout ce qu'il fallait pour détruire un corps humain, à peu près, hein, dans le style d'abus. Donc, il y avait une logique à ça. Ce n'était pas un arbitraire. On ne m'avait pas donné le cadre et les lois, et j'en avais dévié. Brigitte. Oui, moi je réagis sur le... Je rebondis sur le mot cadre. Parce qu'en fait, je dis souvent aux danseurs, en fait, une grande compagnie comme le Ballet de l'Opéra de Paris, il y a une responsabilité pour chacun, une responsabilité aussi collective. Et on parlait beaucoup du mot cadre. C'est-à-dire c'est un cadre, mais c'est un cadre pulmonaire. C'est-à-dire que c'est un cadre rigide. Il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que c'est un conglomérat d'individualité. Alors, à un certain moment, on arrive à respirer ensemble la personne qui dirige ou qui anime. Moi, je préfère presque le mot animation, c'est un peu hypocrite, mais enfin, c'est pas faux non plus. Et comment on va respirer ensemble un cadre, mais qui ne doit pas exploser, sinon ça marche pas. Et j'aimais bien assez cette notion, peut-être un peu naïve, mais de cadre pulmonaire, de la nécessité, mais de la respiration. Eh oui, on ne peut pas faire sans. Oui. Merci Brigitte pour cette intervention. Véronique Poulain, je pense à ça parce que le cadre et trouver sa liberté dans le cadre, voilà, quand on est un petit garçon, une petite fille, qu'on a ses parents qui nous élèvent, normalement ils nous donnent un cadre. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit. Or vous, vos parents étaient sourds, enfin ils sont sourds, et le truc c'est que très souvent quand on est un enfant qui donc n'est pas sourd et qu'on a des parents sourds, on se retrouve souvent à faire l'intermédiaire entre les deux mondes. Non, mais y a pas seulement ça, c'est oui. En parlant du cadre, moi j'ai eu très peu de cadres parce que tout simplement à cette époque, c'est toujours à cette époque, 65-70, mes parents, on leur avait quand même bien mis dans la tête que peut-être étant sourds, ils ne seraient pas en mesure d'élever un enfant qui ne l'était pas. Donc ils se sentaient, je l'ai toujours senti comme ça, hein, très très démunis face à moi. Ils se disaient, si on lui dit non, elle... Peut-être que dans le monde des entendants, c'est comme ça, alors monde des sourds, ils étaient un petit peu perdus. Donc les cadres, de ce point de vue-là, j'en avais pas du tout, mais pas du tout. Donc il a fallu que je me les fasse, que je me les crée moi-même. Quand oui, même. Et c'est d'autant plus compliqué que vous étiez quand même l'interface entre eux, et donc vous deviez pouvoir traduire, même pour des choses quotidiennes, du quotidien, j'imagine, et donc des choses qui dépassent normalement l'âge d'une petite fille.
Oui, sauf que je n'avais pas trop à le faire. Ils m'ont épargné ça aussi. Je dis bien épargné parce qu'il y a beaucoup d'enfants, dans mon cas, dont les parents leur demandent du matin au soir de traduire à la banque, traduire aux impôts, négocier les étalements d'impôts, justement, sur 3 ans, alors que le gamin, il a 5 ans. C'est très, très lourd à porter. J'ai eu la chance que mes parents ne me le demandent pas. Et alors, donc, du coup, comment est-ce qu'on fait? Je le faisais naturellement pour les choses du quotidien, la boulangerie, quand la boulangère ne comprenait pas que ma mère voulait une baguette à la boulangerie. Et donc là, je traduisais, mais ça n'allait pas. Je ne me suis jamais occupée des papiers de mes parents, par exemple. Donc ça, c'était gérable. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il faut trouver les valeurs, il faut trouver donc, ce cadre que normalement on reçoit comme ça. Vous dites que vous avez dû vous le former. Et en même temps, malgré tout, vous aviez ce dialogue avec vos parents. Donc comment? Les valeurs, c'était simple, c'était ne pas trahir leur confiance, justement. C'est ce qui m'a guidée pendant toute mon enfance et mon adolescence. On pourrait se dire, oui, donc culpabilité, etc. Pas du tout, je voulais juste, parce que j'avais la plus grande liberté, ne pas les trahir. Et ça m'a tenue debout, ça m'a évité de faire même toutes les bêtises qui font peur aux adolescents, la drogue, etc. J'ai complètement évité ça pour ne pas trahir leur confiance. Je ne peux pas trouver mieux comme définition. Je ne voulais pas les trahir. Moi, je trouve ça merveilleux, ne pas trahir la confiance de ses parents, c'est merveilleux. Mais parce qu'ils me laissaient libre. Ouais. Enfin, c'est comme ça que j'ai réagi, moi, en tout cas. Merci. Cette notion de trahison générale, parce que je pense à ces personnes qui viennent donc du monde entier, de toutes ces cultures, et qui, à un moment, quand même, font allégeance à un drapeau, le drapeau français, alors que ce n'est pas leur pays d'appartenance à la base, et qui vont devoir aller jusqu'au bout pour ce drapeau. Donc là, on est au cœur, voilà, de la confiance et la non-trahison. Alors, sur les drapeaux, la Légion étrangère, il n'y a pas marqué, comme sur tous les drapeaux, honneur et patrie, mais honneur et fidélité. Et dans les statuts de la Légion, c'est même le Conseil d'État qui a fait rajouter le mot de fidélité, parce qu'elle est imposée. Si on n'est plus fidèle, on repart. Les gens ne sont jamais de carrière, ils sont sous contrat, et on leur redemande régulièrement, est-ce que vous êtes toujours partant, c'est-à-dire est-ce que vous êtes toujours fidèle, est-ce que vous voulez continuer dans ce métier, continuer à servir ce pays. Donc la fidélité, c'est un mot-clé. Et dans le métier militaire même, on dit souvent que la trahison derrière ça, c'est la confiance, et la confiance, c'est comme la moelle épinière. Quand c'est sectionné, ça devient compliqué. C'est clair. Merci, Général. Peut-être un tout petit mot de conclusion, mon père ? Écoutez, un des 3 thèmes qui était ce matin dans cette dynamique du bonheur, c'était celui de la simplicité. Alors, vous me permettrez de revenir au patron et au cœur du business model. On a une brique de 2000 pages qui s'appelle la Bible, et ça se résume en une phrase, la Bible. C'est quand même un extraordinaire exercice de simplicité au cœur de la complexité de l'âme humaine. On demande à Jésus quel est le grand commandement. Il y a à l'époque 672 prescriptions, et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Et en fait, quoi de plus simple et quoi de plus complexe? Parce qu'on l'a tous souligné, nous sommes des êtres de relation, nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Mais combien aimer est difficile? Quelle conversion, quel décentrement, quelle dépossession, quel don, quel pardon, ça suppose, sans cesse à reprendre. Et la définition que l'évangéliste Jean nous donne de Dieu, c'est la plus simple et la plus limpide qui soit. Dieu est amour. Et la seule question que le maître de l'univers nous invite à nous poser à chacun personnellement, c'est « Aimes-tu ?» Et nous sentons combien cette simplicité d'expression, elle touche aux complexités essentielles de nos vies, à nos esclavages, à nos peurs, à nos rêves, à nos illusions, à nos pulsions, au meilleur de ce que l'on porte chacun, comme au plus douloureux de ce qu'on peut vivre. Et au fond, cette simplicité, elle nous conduit à l'unique essentiel qui est sur le registre de l'écoute, de l'accueil de la vie, de ma vie, de toute vie, qui ouvre sur le mystère. Le mystère, ce n'est pas ce qui est incompréhensible. Le mystère, c'est une réalité où il y a tellement à comprendre que je n'en épuiserai jamais le sens. Et au fond, le mystère, c'est ce qui ouvre sur la confiance, sur l'espérance et sur l'amour. C'est tout simple et ça nous dépassera toujours. Et c'est pas facile, bravo! Vraiment un grand bravo à tous nos intervenants.
Merci, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé vos opinions sur cette conquête du bonheur. Cette matinée n'est pas finie. Vous allez avoir maintenant la plénière de clôture de cette première université d'hiver du barreau de Paris. Merci beaucoup.